Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Cliwood et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Beat Dungeon. Tout simplement, il faut savoir que c'est un Binding of Isaac tout craché et que vous pourrez y jouer bah, tout seul, comme le Binding of Isaac. Donc c'est du level up, en fait il vous suffit juste de monter de niveau et de battre le boss final. Voilà, je lance le jeu, c'est un jeu flash, je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de souci pour ceux qui veulent y jouer. Donc je vais couper le son tout simplement parce qu'il est extrêmement fort. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir sur le jeu, c'est que vous avez des mini-boss, des boss, énormément de salles, énormément de niveaux du coup, et un boss final qu'il faudra battre. Je n'ai jamais atteint le boss final, et d'ailleurs j'ai pas atteint de mini-boss non plus, je me suis juste renseigné un petit peu sur le jeu. Donc comment il faut jouer? Tout simplement, il suffit juste de cliquer sur le clic gauche pour vous déplacer. Ensuite, pour sélectionner les items par exemple qu'il y aura dans ce coffre, donc une épée, là, on peut le voir. Il vous suffit donc aussi de cliquer pour ramasser les items qui tombent par terre. Donc là on va récupérer notre vie avec la potion. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez aussi rester cliqué pour bloquer les coups tout simplement. Donc voilà, là je bloque le coup avec le bouclier et à la fin du temps, donc le bouclier ne peut pas rester stacké longtemps. Et à la fin du temps, eh bien, il va lancer une attaque spéciale, je dirais. Donc là on va le défoncer celui-là, vous voyez je perds très peu de vie, tout simplement il faudra cliquer au bon moment. Donc voilà, donc ensuite il y a des drops qui tombent par terre, donc là par exemple 5 de vie supplémentaires, c'est des buffs. Donc là j'ai pas regardé les autres, je suis un peu con, j'ai complètement oublié qu'il y avait les autres trucs. Donc là par exemple j'ai 5% de vie supplémentaire, enfin 5 cœurs de vie supplémentaire tout simplement. Et vous baladerez dans les niveaux tout simplement comme ça. Donc il faudra aussi essayer de buter le maximum de petits mobs pour essayer de looter des cœurs ou des potions comme celle-ci qui va nous donner en fait une sorte de puissance de magie hein, tout simplement. Et voilà, essayez d'explorer les niveaux comme ça que vous pourrez ensuite augmenter dans le jeu. Donc là on va j'ai mal cliqué, là je perds beaucoup de vie, c'est normal, tout simplement parce que j'ai mal cliqué, j'ai appuyé sur le clic droit, ce qui fait que ça m'a ouvert un truc et tout. Donc on a ensuite 5% de chance, enfin 5 de critical en plus de la vie et de l'attaque. Alors on va déjà prendre ce qu'il y a dans les coffres. On peut jeter les... Est-ce qu'on peut jeter les... J'ai pas fait gaffe. J'ai pas l'impression que je vais jeter. De toute façon, là, tout est à mon niveau. C'est les mêmes choses que j'ai. Donc, j'ai déjà pris de la vie. Donc, je vais aller prendre sur un petit peu d'attaque, tout simplement. On va prendre une clé qui se trouve ici. On va casser ce qu'il y a là pour voir s'il n'y a pas de la vie à l'intérieur. Puisque j'en ai perdu quand même beaucoup. Et donc, voilà. Et donc, c'est tout simplement... ça le jeu. Donc là vous voyez j'ai trouvé de la vie, c'est parfait, plus 4, voilà. Oh, un petit spirit, alors je sais pas trop à quoi ça correspond, c'est des monstres qui sont plutôt simples à buter et qui nous donnent des loots, comme là par exemple une potion. Donc là on va aller tout droit, on pouvait pas y aller tout droit tout simplement. Oula, ça a l'air d'être un peu plus corsé ici. Donc là en fait le but sera de, je suppose, de détruire la mage, donc comme la plupart des jeux, puisqu'ils vont soigner les autres ou réanimer les autres tout simplement. Donc voilà, donc j'ai fini de clean la salle, tout simplement je vais pouvoir ensuite aller casser ça, voir ce qu'il y a dedans, et on va continuer à explorer. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas des boss, oulala. Alors on va essayer de bien jouer, oula, je me suis pris des dégâts du mage, ok, on one shot le mage, on va s'occuper de celui qui est tout seul tout simplement, comme ça on sera pas empesté par les autres. Les zombies ils sont très faibles, du coup je vais m'occuper d'eux maintenant, et voilà, eux qui sont un peu plus résistants, je m'en occupe à la fin. Oula, ah les zombies revivent, très bien, bon j'avais jamais fait gaffe. Et ils ont loot un coffre. Alors, ah, une armure. Et j'ai loot une armure, ce qui va me permettre de me donner de la défense, j'imagine. Donc voilà. Donc je découvre des choses en même temps que vous. Hein. C'est parfait. Alors, de la vie, de l'attaque. Allez, on va reprendre de l'attaque, histoire qu'on va faire... On va faire plein de dégâts. Alors, on va ramasser la clé et on part dans les autres salles. Allez, c'est parti. Donc je vais jouer comme ça pendant longtemps. Donc je vais faire des coupures, évidemment.
histoire que ce soit pas trop long pour vous. Hop, je récupère de la vie, on part dans l'autre salle. De caca ou de terre. Ouh, un mini-boss, c'est parti les amis. Là, je suis jamais allé aussi loin, je me suis gardé le suspense un peu. Alors, hop, heureusement que j'ai pris de l'attaque. Heureusement que j'ai pris de l'attaque, voilà. Hop, le zombie qui va repop. Je sais pas ce que fait le mini-boss, donc... Hop, on va l'attaquer. Oula, oh bof. D'accord, super, la puissance du mini-boss, vous voyez. On s'est les promis en même temps, vous allez me dire si c'était trop dur. Je vois pas l'intérêt. Hop, j'ai trouvé un casque, les amis, regardez, mon apparence a changé. Oh là 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 là. On augmente dans le jeu. Allez hop, on ramasse ce qu'il y a dedans. Hop, on... beaucoup de vie en plus. Voilà, on est full life et full stamina. Donc ça c'est la stamina, c'est pour utiliser mes compétences. Hein. Un autre mini-boss, parfait. Donc là, tout se jouera aussi sur l'esquive, hein, il faut savoir. Oh putain, les archers, oh putain, 5 de cœur. D'accord. Ouh là 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 là, je me suis trompé de clic encore une fois. Hop. Voilà, l'attaque spéciale est partie, je tape fort d'un seul coup, je fonce sur l'ennemi, je tape fort. Voilà, hop, le petit stun qui est passé. Hop, les zombies qui pop, on les démonte directement. Alors, voilà, donc là on a trouvé un shield qui est du même niveau que d'habitude. J'ai perdu pas mal de cœur sur ce boss. Donc là on voit qu'il y a une porte rouge, je sais pas à quoi ça correspond vraiment. Un shield plus 7 de défense, c'est parfait. On n'avait pas un set de défense. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, un autre boss, très bien. On va buter ce zombie qui me fait chier. Je sais pas à quoi ça correspond vraiment ça. Voilà, on les a butés d'un seul coup. On s'enfuit. On va buter les mages. Hop, les mages, ils sont morts. Je perds très peu de vie, c'est pas mal ça. Ouf, j'ai pris 5 de cœur. Je sais pas à quoi correspond vraiment les chiffres, mais voilà, on a buté le boss. Alors là, on va buter ce qui reste. On va buter le skeleton archer, puis on finit. Voilà. Donc là, le boss. Est-ce que je prends de la vie? Allez, on va prendre de la vie ce coup-ci, encore une fois. Alors, 6 d'armor, j'ai 6 d'armor. Et un anneau de critique, tout simplement. Je vais le prendre. C'est intéressant. Alors, ah! Un shield à 8. Bon, bah voilà. Le spirit, j'ai pas le temps de casser, donc on va buter ce friand là, apparemment. Ah, je peux rentrer. Je me disais. Oh putain! D'accord, ok. Hop. On bloque le coup. Hop, on s'enfuit. Hop, on va trouver des cœurs là-dedans. What? Wouah! Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi y a tout ça? Pourquoi y a plein d'ennemis là? What the fuck, putain. Oh, on l'a eu. Oh, pourquoi il y avait plein d'ennemis d'un seul coup là? Heureusement que c'était des trucs faibles, vous voyez. Donc... Ça sent le bon truc, j'ai eu 11 d'armor plus un item légendaire, voyez-vous. Alors, ah, une armure les amis, voilà. Et voilà, on a une armure assez puissante. Ah, Ice. Alors c'est un pouvoir. Ah ah, voilà, on a sauvegardé. Donc j'imagine qu'on pourra revenir après ici. Donc là c'est l'étape, le level 2, on repop ici si on meurt. Avec nos stuff et tout ça, j'imagine. Donc ça a l'air un peu moins compliqué que Binding of Isaac, puisque Binding of Isaac, vous recommencez tout depuis le début, si je me souviens bien. Si je suis pas un bolos. Hop. Un petit boss, encore une fois. Il y a beaucoup de boss, hein, j'ai l'impression. Voilà. Oh, ça c'est à casser, voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais fait les premières fois. J'avais trouvé ces trucs-là. Là, c'est comme les cônes de glace, en fait. Hein. Tout simplement. On va partir de ce côté-là. Je suis plus confiant, là. Ouh, bah putain, merde. Ah voilà, j'ai un pouvoir de glace, très bien. En fait, ça me part des coups, très bien. Ah, c'est intéressant. Hop, là, j'ai stun parce que c'est une de mes capacités, tout simplement. Et voilà. Alors. King Ring. 4 de damage. Écoutez, on va prendre ça, je pense que c'est plus intéressant. Et on va prendre... Allez, on va reprendre de la vie parce que c'est important, la vie. Et qu'est-ce que c'est ça? J'ai ramassé quelque chose, je sais pas ce que c'était. Hop, on va les buter, voir s'ils ont quelque chose sur eux. Donc là, on a un boss, les amis. Oh, putain de merde. Oh, bah, en fait, on bourrine parce qu'il est nul, le boss. Le boss est tellement nul. Hop, on va récupérer toute notre vie, voilà. Ah, une pickaxe, les amis. Alors là, si c'est pas le méga, je te ouf, vous voyez. Donc nous dire voilà, j'ai fait une petite coupure en attendant, j'ai eu un petit souci, allez, on est parti, on poursuit. Ouh là là, un nouveau décor que je n'avais jamais découvert. On bat ce Knight qui est relativement résistant.
Oula, les mages qui font pas mal de dégâts, je crois. Donc j'ai débloqué le pouvoir du feu pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Donc je crois que j'avais. Ah oui, j'avais coupé avant, donc. Pouvoir du feu est maintenant à moi. Oh putain, le coffre, je peux pas l'ouvrir tant qu'en fait ils n'ont pas. Tant que je n'ai pas fini tout ça. Donc hop, on bute ça, on bute ça. Hop, on bute ça. Les archers qui sont très bien protégés, j'ai l'impression que le jeu est pas mal foutu. Ouh, des boots à 15 d'armor. Donc voilà, j'avais pas ça. Et. Ouh, bah je cours plus vite, j'ai l'impression également. Voilà, on va voir ce qu'il y a à gauche. On est parti. Comme ça, on va jouer à la perfection. Et là, j'ai un trou. Là, un trou est ouvert et 54 coins. C'est ça les coins. Alors. Alors. 20 d'armor plus 4 de défense. 17 d'armor plus 6 d'extra damage. Donc ce sont des dégâts spéciaux. Donc le spécial, j'utilise pas relativement souvent. Du coup, je vais pas prendre ça déjà. Et 16. Écoutez, on va prendre ça parce que mon shield est vraiment très faible. Ou plutôt assez stylé en plus. Attendez, attendez. Ah merde, ça s'est refermé. Je voulais voir si je pouvais en prendre d'autres. Dommage. Ah, j'ai pas réussi à buter là-haut. Non, le shop, pardon, c'est le loot. C'est le loot, le shot. Le shop. Je suppose. Donc on va laisser cette potion tout simplement parce que si on n'a plus de vie après, on reviendra ici si je peux, hein, évidemment. En toute logique, si je peux. Donc je crois pas que je suis allé là-haut. Ouais, j'étais pas allé là-haut. Et il attaque automatiquement quand on passe à côté, regardez. Voilà, il attaque automatiquement quand il passe dessus. Très bien. Oh, putain, genre. Le boss est fini. Enfin, le boss voleur, hein, je parle. Hop, on va battre le boss archer. On va parer ces coups-là. Hop, on va. On fonce sur les knights ensuite. Ah merde, j'aurais dû éviter son coup à l'autre. Ah mais en fait, il te suit, c'est relativement chiant. Alors, hop, ça c'est mieux. Ah, écoutez, on va prendre ça. Parce qu'elle est quand même relativement beaucoup plus puissante. Elle a plus de dégâts. Donc on va partir sur de la vie parce que il me manque cruellement. On y va, mon feu est prêt, on est parti. Voilà. Quelques dégâts ce boss. Voilà, le pouvoir du feu a remporté. Ah, un Magical Blade, 9 de dégâts. Oh, écoutez, on va prendre ça, qui est plutôt stylé d'ailleurs. Voilà, on va prendre ça, le pouvoir du feu qui a fait le taf, honnêtement, les boss sont pas très puissants pour l'instant. Donc là, on monte, on monte, on monte. Le pouvoir de l'éclair maintenant. Bah, écoutez, on va prendre ça. Et voilà, j'ai sauvegardé. Je crois qu'on va faire tout le jeu, vous savez. Allez, hop, on est parti. Hop là, le pouvoir de l'électricité. Et oui, voilà. Oh, punaise. Punaise, ils sont résistants, ces monstres. Je peux pas en taper un sans me faire démonter par les autres. Oh bah d'accord. Il y a des voleurs encore une fois. Hop, je me suis mis au milieu et on leur a foutu les dégâts. Vous savez, les dégâts regroupés là, les dégâts autour de nous. Et voilà. Et donc on a fini au final, on n'a pas pris tant de dégâts de ça puisqu'on a bien esquivé. On leur a foutu un bon stun. Et puis voilà, par contre là on n'a pas de vie du coup. Bah écoutez, on va partir là. Oh bah putain. Et ils sont très peu résistants et ça c'est bien pour nous. En fait, tant qu'il va pas faire de critique, mon épée fait très peu de dégâts. Voilà. Alors, les critiques, par contre, quand ça part. Hein. J'ai plus beaucoup de vie là. Je suis mort. On va entrer notre nom. Bah écoutez, Ucklywood. Ah, ça passe pas. Ucklywood, tout simplement. Et voilà. Ah. Oh non, on recommence du début. Bah écoutez, allez, hop, on est reparti. Un peu plus de montage, ça ne me gênera pas tout simplement. Hop, on est parti, hop, on prend la sword et hop là. Donc finalement, on recommence du début. Bon, je sais pas à quoi servent les saves. Peut-être que ce sera pour plus tard, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre?
Bon écoutez, je suis parti sur l'avis. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là, on va partir sur du what the fuck. On va partir que sur de l'attaque. Dès qu'on peut prendre, on prend de l'attaque. Hein. Comme ça, voilà, ce sera le petit test, hein, évidemment. Hop, allez, hop, on prend de l'attaque. Voilà, j'ai 10 attaques, j'en avais même pas quand j'ai commencé avant. Hop, on va récupérer de la vie parce que, évidemment, comme on n'a pas d'attaque, on n'a pas d'attaque spéciale pour l'instant. Enfin, si on a une attaque spéciale, mais c'est de la merde, tout simplement. Donc, c'est sur Max Game. Oui, c'est ça, le jeu est sur Max Game. Vous pouvez aller voir sur le site. Hein. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description, comme je vous l'ai dit. Et ah, j'ai pas ramassé la clé. Oui, le bolos qui ramasse la clé. Ah, très bien, il y avait pas de clé. Mais c'est pas vrai, putain! Y'a pas de vie! Mais comment je vais faire? Comment je vais faire s'il y a pas de vie, moi? Comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai zéro armure pour l'instant. Donc, si en plus j'ai pas de vie. Ah, pour prendre l'attaque, les gars. Oh, voilà, de la vie. Ah, ça fait plaisir. Allez, encore de la vie? Oh non. Non, lui, il m'a déçu par contre. Oh putain, c'est le boss. Oh putain, c'est le boss. Ah, il y a des dégâts par contre. Hein. Voilà, on la démonte. Voilà, on prend le ring. Enfin, le ring, c'est l'anneau, hein, bien sûr. Hein. Vous pensez pas que c'était un vrai ring de boxe, hein, évidemment, parce que... Ah, oh, de la vie, là, j'allais l'oublier. Attention, attention, attention. Hop, le pouvoir du feu, c'est parfait. Hop, on va sauvegarder, même si je sais pas vraiment à quoi ça sert. Hop, on focus les mages. Bon, sauf si eux se mettent sur la troute aussi. Ça pue le loot, ça, hein. Ok, voilà, c'est ce qu'il nous fallait. Oh, non, 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 reviens là, toi. Ça pue du caca, ce que je viens d'avoir. Hop, on va voir par... Ah, j'ai pas toute ma vie. J'ai pas toute ma vie. Oh, pourquoi il y a des traces de sang par terre, là? Serait-ce un fantôme? Serait-ce un fantôme? C'est une blague ou quoi, lui? Ah, il faut vraiment que je m'arrête, en fait, pour faire tout mon potentiel de dégâts, parce que, en fait, si je m'arrête pas, il y a une chance que je fasse deux fois moins de dégâts, j'ai l'impression. Alors, ah oui, j'ai pas buté tout le monde, donc c'est sûr, lui... Late, voilà. Je n'avais pas d'armure, donc on part sur ça. Hop, hop, hop. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. De la vie, j'ai besoin de la vie. Allez, bon, bah non. Hop, on va partir par là. Écoutez, ça pue le boss ici. Voilà, ça pue le boss. C'est bien ce que je disais. Et re tout le monde, excusez-moi, j'ai encore été dérangé. On part tout de suite pour le boss. Donc là, j'ai fait la salle d'à côté. Il y avait encore de la dé à gagner. Donc, hop, on part sur ça. Oh. D'accord, le boss qui prend quelques dégâts quand même. On, nous aussi, mais on lui en a fait. On n'en a fait qu'une bouchée, tout simplement. Pas pourquoi on dit on y en a fait, parce que je, c'est moi qui joue, ok, c'est moi. Là je me mets sur ma chaise, du coup vous avez entendu du bruit et tout. Hop, on est parti, on rentre. Ah, le pouvoir de lightning, j'ai pas encore testé, hein, parce que je suis mort avec ce pouvoir justement. Ah, un mini boss les amis. Bon, j'en fais qu'une bouchée puisque mon AD est quand même relativement élevé. Voilà, on repart sur de l'AD et allez, hop là. Bah c'est moins puissant du coup, hein. Moins efficace, hein. Donc je vais pas prendre ça. Bon, j'ai pris, vous voyez, à chaque fois en fait je vais prendre très très cher, hein. Je vais prendre très très cher, mais il y a de la vie un peu à tue-tête, hein, on va dire, à ce niveau. Hop, j'ai toute ma vie. Ah, alors, est-ce que je prends de l'armor, des dégâts? Bon, écoutez, on va prendre ça, hein. Allez hop, on est des fous, voilà. On va prendre une épée, parce qu'on a dit full AD. Du coup, bah, on part sur du full AD. Ils ont même pas, enfin, ils ont même pas le temps de... Ouah, 100 de dégâts, les gars. Hop, faites pas chier, laissez-moi passer, voilà. Toi t'es mort, toi. J'ai pas tué tes potes, mais toi t'es mort. On va continuer tout droit. Bizarrement, on sait pourquoi. Ah, un boss, très bien. Pas de soucis, voilà. C'est censé être un boss, hein. Moi, j'ai plus l'impression que c'était un zombie, vous voyez. Que j'en ai fait un peu la même... Il a un peu fait la même tronche quand il m'a vu, vous voyez. Voilà, 45 d'AD, bon. Est-ce qu'on est parti sur un truc bien fumé? Hop, on va prendre le shield puisque beaucoup plus puissant évidemment. Et ça se trouve on va aller plus loin avec ma technique qu'avec celle d'avant, vous voyez, parce qu'avant on faisait pas beaucoup de dégâts mais on avait plus de vie évidemment. Enfin, on faisait pas beaucoup de dégâts, on en faisait, mais bon, c'était pas non plus un truc de malade. Hop, on va tourner puisque c'est pas là le boss, hein, vous avez remarqué. Le boss, donc évidemment à partir de ce moment là. Allez hop, on continue. Oh putain, je prends cher, oh putain. Alors une épée. Bah écoutez, on va prendre ça parce que c'est l'épée de tout à l'heure, enfin la hache plutôt de tout à l'heure. C'est quoi cette armure, s'il vous plaît? Ah d'accord, donc pour le boss en fait, si j'avais pas fait ça, si on n'était pas dans la merde, bah si on était dans la merde justement. Ah d'accord, sauver ça redonne toute notre vie, très bien. Mais attends, mais je fais 0 sur eux, c'est une blague ou quoi? Stamina à tue-tête, on s'en fout. Je
prends 0 dégâts, je sais pas pourquoi. Ah bah, faut que je dise ça au moment où je commence à me prendre... Très bien, je suis mort. Je n'ai même pas vu d'où partaient les dégâts. C'est pas grave, on ne rage pas bien sûr. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à check la description pour voir le lien de notre chaîne, le lien du site web de la 8ème décennie ainsi que le lien du jeu vidéo que je vous ai présenté aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde.